On se retrouve une nouvelle fois dans l'atelier. C'est une vidéo un petit peu spéciale. Alors, elle a rien dans le cul. Ah, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans un club échangiste. Ça donne vraiment tout un panel. Ah oui. La piste était technique. Ça va? Alors, on se retrouve une nouvelle fois dans l'atelier. Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on est quasiment au mois de décembre. Et aujourd'hui, logiquement, vous avez tous choisi votre moto. Alors, ça me ramène il y a un mois. On était allé justement au Marié pour les essais Omio. Alors, il y a beaucoup de magasins qui organisent ce genre d'essais. Les magasins sont de plus en plus multimarques. Et ça permet en fait d'essayer 125, deux temps, les petites cylindrées, les grosses cylindrées. En l'occurrence, là pour Omio, il y avait quand même les Yamaha, les Kawasaki, les GazGaz, les Husqvarna, les Honda. Donc ça donne vraiment tout un panel. Je sais que CBO fait la même chose. Il y a beaucoup de magasins qui font ça. La piste était certes technique, mais justement, c'est là où vous voyez le mieux quelle machine vous plaira le plus. J'ai changé de moto, j'ai fait des GoPro avec chacune et moi, clairement, j'ai de suite vu mon pilotage sur laquelle j'étais le plus à l'aise. Donc voilà, moi, clairement, j'ai su laquelle me plaisait le plus, celle avec laquelle c'était le plus facile. On est tous un petit peu un pilote 125 ou un pilote 450. Moi, j'ai vite choisi. Il y a un autre choix qu'il faut faire en ce moment, c'est le guidon. Alors, on a beaucoup de questions. Qu'est-ce que je mets dans le sable? Qu'est-ce que je mets sur cette nouvelle moto? J'ai un peu mal au poignet. Donc, je voulais juste refaire un petit tour sur les guidons qu'on a proposés sur la boutique pour une raison toute simple, c'est qu'on a enfin tout. Via le Covid, il y a eu énormément de problèmes de disponibilité au niveau des guidons. On a enfin les trois guidons rêvés. On voulait ça avec Raphaël, c'est-à-dire vous donner des conseils, quelle que soit votre taille et quelle que soit votre discipline. Donc là, on a pris la marque Rental, évidemment, mais j'imagine que si vous allez chez 3S, chez Bud, ils vous proposeront d'autres choses. Mais nous, sur la boutique, pour faire simple, on a choisi le Rental Twin Wall qui est très costaud. Noir, on n'a pas fait de fioriture. Alors je vois sur le moteur de recherche que vous cherchez tous le violet un peu vintage, mais nous on est resté vraiment sur le noir. Pour le vintage, vous allez chez 3S et vous le retrouverez. Trois guidons pour trois tailles. Le premier, c'est le 999. Alors c'est simple, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'espace entre la barre et la mousse. Ce guidon, le galbe, il est vraiment top. Donc il est à peu près à 44, je crois, de cintrage. Donc ça veut dire que vous le mettiez un peu en bas, que vous le tourniez ou que vous le releviez, et bien en fait vous aurez toujours un angle de poignet qui sera bien. Parce que le problème des guidons qui sont cintrés, c'est que vous ne pouvez quasiment pas ni les mettre en avant, ni les mettre en l'air. Donc le 999, c'est vraiment le guidon pour tous ceux qui font, on va dire, moins d'1m68. C'est vraiment le guidon du pilote qui passe du 80 à 125, il faut mettre le 999. En dessous d'1m70 à 1m68, choisissez le 999. C'est le guidon de Jeremy McGrath qui n'était pas bien haut et il porte aujourd'hui toujours son nom. Le deuxième guidon, c'est le guidon qui va plaire à tout le monde. C'est le 921. 921, il a une autre référence, il s'appelle Yamaha. Donc c'est ce qui était, on va dire, livré sur les Yamaha. Donc toujours 40 d'ouverture. Donc au niveau du poignet et de la position, il est génial. Et au niveau de la taille, vous le voyez, entre la mousse et le guidon, il y a quand même un espace conséquent, sans être exagéré. Donc ça, c'est le guidon qui va être parfait, qui va aller de 1m68 à 1m78. C'est mon guidon. J'ai choisi celui-là pour le motocross, donc c'est celui que je mets. Il est assez bas pour bien virer, mais assez haut pour être à l'aise debout ou en l'air. Enfin, le dernier, évidemment, c'est le guidon des extrêmes, c'est le 994. Donc vous le voyez, il y a beaucoup plus d'espace entre la mousse et le guidon. Le cintre est toujours excellent, c'est-à-dire c'est Dixit, mon ami Olivier Nittard, tu mets ce guidon, direct, tu as les coudes en l'air. Donc c'est vraiment une très belle position. Alors celui-là, ce sera pour tous les pilotes qui mesurent 1m80 et plus. Vous prenez le 994. Sauf, évidemment, si vous roulez dans le sable. Et là, en ce moment, c'est mon cas. Donc clairement, quand vous roulez dans le sable, n'hésitez pas à prendre la taille au-dessus. C'est-à-dire que le petit pilote dans le sable va choisir le 921. Et un pilote comme moi,
qui mesure 1m78 et qui roule avec le 921 dans le sable, je vais mettre le 994. Alors vous allez me dire, et que font les grands qui ont le 994 dans le sable? Eh bien vous allez mettre simplement des pontets de guidon un peu plus haut. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, on voulait vous présenter les trois guidons rental. Pour info sur la boutique, on a choisi aussi les guidons sans barre, donc le Pro Taper. Alors c'est simple, hein, Carmichael, Reed, Windham. Donc petit, moyen, et Windham était très grand. Carmichael pour les petits, Reed pour les gens à peu près, je ne vais pas dire normaux, hein, mais d'1m75, et enfin Windham pour ceux qui font plus d'1m80. Le cintre est un peu plus vieillissant, mais il est canon quand même. Moi j'ai roulé avec le Reed pendant des années. Voilà, merci pour cet intermède un petit peu technique, mais je vois que ça vous intéresse. D'ailleurs, ça fait un mois qu'on n'arrête pas d'envoyer des cale-pieds Bud Racing Titan, donc on voit que vous avez choisi votre moto et qu'il est temps aujourd'hui de l'équiper pour la saison qui arrive. Alors, une petite aparté, les cale-pieds Bud Titan sont arrivés pour la 2023, vous savez, la KTM 2023 qui est une référence nouvelle, bah, ils sont arrivés. Voilà, alors ça fait un peu télé-boutique achat, mais je vous le dis, hein, ces guidons qu'on vend, il y a d'autres marques, vous pouvez les trouver chez d'autres fournisseurs, chez votre magasin préféré, mais nous on a opté pour ceux-là, et si jamais vous les achetez chez nous, bah, ça nous aide, code promo MXTest, vous aurez un super prix, et puis bah, bon roulage, et j'espère que vous avez choisi la bonne moto. Et ben voilà, premier essai de la journée. On commence fort, hein, par la moto qu'on a vue nulle part, la 125 injection. Ça, si c'est pas canon. Alors, ce qu'il est moins, c'est la piste, mon rap. Eh ouais, il y a de la boue. Alors, je vais essayer de nettoyer la caméra, hein, pour faire plaisir, mais c'est pas la boue qui va nous arrêter. Alors la piste on la connaît, hein, on a déjà tourné un épisode de 125 avec Johnny ici. Toujours se méfier dans les premiers tours. Bah écoutez, sa 125 elle craque comme les autres, non? Je sais pas ce que vous en dites. En tout cas. Et je vous ferai un petit tuto à la limite avec une moto que je connais un peu mieux. Comment rouler dans la boue. Alors la bonne nouvelle pour vous, c'est que dans la boue on voit tous les défauts. Vous voyez, si la moto est trop souple, si elle n'est pas assez puissante. Rien qui est étrange, hein, vraiment, j'ai l'impression d'être sur une 125 Husqvarna d'avant, hein. Quand je dis avant, c'est évidemment avec un carbure. Sauf qu'il y a un démarreur. Fourche, bah c'est comme la 2000 les mecs, hein. Elle va bien. Je voudrais revenir sur un truc. Vous savez, quand vous nous dites qu'on est des puristes, qu'on pense pas aux abonnés, qu'on ressemble pas à nos abonnés, ou qu'on roule que sur le sec, et ben non les mecs, on roule dans la boue, on roule dans le sable, on roule sur et on est avec tout le monde. Regardez, à la queue leu leu, gaz gaz, Yamaha, c'est vraiment canon, hein, ces tests. Allez, on en essaie une autre. Alors là,
Ça paraît un peu un test un peu bateau, hein. Une 2,5, 4 temps Husqvarna. Mais en fait, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse Raphaël, c'est les courbes. Parce que là, il y en a 4 différentes. En fait, déjà, il y a un quick shift pour aider à passer les vitesses. Bon, j'ai jamais eu de problème pour passer les vitesses, donc je l'ai mis, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence. On a un traction control, donc ça qui est censé moins patiner. Une courbe souple et une courbe hard. Alors là, je suis parti avec courbe souple et traction control. Logiquement, je devrais limite pas avancer. Allez, on essaye. Alors tout le monde sait, hein, évidemment, que ce moteur est un des meilleurs de sa catégorie. Alors, elle a rien dans le cul. C'était top pour l'enduro, mais là, franchement... Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Donc on sent vraiment la différence, hein. Et bah Raph, même toi, je crois que t'aimerais pas. Ça fait limite même la moto un peu engorgée, tu sais. Ouais, pas fun. Alors, on va s'arrêter. Et on va commencer par enlever le traction control. Vous voyez, je l'ai enlevé. Ah oui. Donc du coup, la faute était quand même au traction control. Est-ce que là elle marche? On va sortir doucement. Ouais, ça craque ça. Donc maintenant l'idée, c'est évidemment de mettre la courbe hard. Hein. Courbe hard, alors c'est la verte. Si vous avez vu l'épisode qu'on a déjà fait avec Raphaël sur l'injection, la noire c'est la classique et la verte c'est la hard. Ah non, pas fou. Il n'y a pas une différence énorme en fait. Par contre, à toujours mettre des vitesses avec ces autrichiennes, ça marche tellement mieux avec des vitesses. Hors de question de tirer les rupteurs. Hein. Donc voilà un petit retour, hein, sur les courbes. Alors elles fonctionnent. Elles fonctionnent bien sur ces motos. Alors je n'ai pas l'impression. Ah, je me demande s'il n'a pas plus de chevaux avec la courbe noire. Bah ouais, putain, je sais pas pourquoi. Allez, un ride avec une Honda cette fois-ci. Et celui-là, je vais pas le faire pour moi. Je vais pas le faire pour la moto. Je vais essayer de le faire pour vous. Parce que là, le circuit, vous l'avez vu, hein, il est compliqué. Donc il y a des ornières sèches et glissantes en bas. Dès que vous vous écartez, c'est de la boue. Et justement, je discutais avec Lena. C'est compliqué de rouler vite dans ces conditions. Et ben en fait, il y a moyen. Il faut connaître deux trois petits trucs. Déjà ouvrir les yeux, hein,
faut voir quand il y a quelqu'un qui est tombé. Vous avez vu comme c'est galère si on reste dans la mauvaise trace. Et alors le pire, vous savez, c'est qu'on saute pas les sauts. Regardez, ça, on rebondit, on retombe dans les ornières, ça nous fait partir à droite ou à gauche. En fait, la clé, alors vous allez me dire que c'est un peu à la fois facile et impossible, bah, c'est de rouler vite. Parce que oui, forcément, la vitesse va vous tenir. Vous allez passer les difficultés beaucoup plus vite. Il faut être doux quand vous allez doucement, comme ici. Mais dès que vous pouvez aller vite, voilà. Bah déjà, il faut savoir que la boue va s'enlever des pneus. Vous allez vous équilibrer. Donc préférez les extérieurs dans la boue comme ça, vous voyez. Et vous remettez en ligne et gaz. Vous prenez votre temps dans les courbes. Vous allez dans la trajectoire qui est la plus propre selon vous. Toujours rouler hein, sur la roue arrière, ne jamais utiliser la roue avant, elle vous ralentit, elle vous fait partir à droite et à gauche. Donc, alors ça paraît pas facile comme ça, mais plus vous allez ressortir et faire des roues arrière, mieux ça ira. C'est bon, allez. Faute de ma part, hein. J'ai essayé de virer en 3. Ah, la bouche, faut retomber les vitesses. Hein. Là, je reste en 3 dans la courbe et je mets le filet qui me tient. Regardez. Là, faut s'appliquer non pas sur la trajectoire, mais sur le filet. On freine là où tout le monde a nettoyé et pas avant. Et les sauts, évidemment, il faut sauter. Au moins, vous retombez une seule fois dans les ornières, pas en 3 fois. Allez, devant la gaz-gaz, mets du gaz. Donc, vous l'avez compris, hein, vraiment, le choix, ça sera un endroit propre. Et de toujours, toujours garder votre vitesse. Retomber une vitesse, prendre sur votre temps dans un virage un peu spécial comme ça. Là, les hauts, c'est pareil, on prend notre temps. Par contre, après, on ouvre les gaz. Il n'y a aucune raison de ne pas ouvrir. Le filet de gaz pour la courbe, vous le savez. Et après, on met tout ce qu'on a. Arrière. Pour le réglage, essayez toujours de régler un peu plus dur. Ça va? Surtout la fourche. Parce que là, si la fourche est souple, plus le terrain, ça fait beaucoup de souple, non? Voilà, j'ai remis la 2, pas la même chose que tout à l'heure. Vous voyez? Toujours essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Oh, le pied. L'une, l'autre, l'autre, l'une. J'ai l'impression d'être dans un club échangiste autour de ma passion. Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas l'autre chose, hein. Mais en l'occurrence là, ah, vous savez que quand vous essayez toutes les motos, il y a une chose que vous savez, hein, clairement, c'est si vous êtes un pilote de temps, 4 temps, 125, 2,5. Donc moi, je vous le dis, je suis un pilote 4 temps, 4,5. Voilà. Désolé, hein, j'ai fait mon coming out. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus.
J'espère. Oh là là, ça c'est ce que c'était, un long. Je suis pas sûr qu'il n'ait pas confondu avec une table. J'espère que ouais, j'ai pas trop déçu des gens. Que vous me parlerez quand même sur les Dirty Days. Oh, le filet de gaz t'amène à une vitesse dans le virage. Sans faire de bruit, hein. T'arrives vite dans le virage. Oh, par contre, c'est sûr que là. On a fait un coaching en Europal, hein, où je demande à tout le monde d'aller faire du footing. Et là, c'est plus des footings qu'il faut faire. Hein. Parce que c'est puissant, c'est lourd. Mais c'est le pied intégral, hein, c'est un truc de dingue. Quand t'as du pilotage et que t'as ça dans les mains, c'est le pied. Eddy Mollier, peintre de casque, pilote de descente, de motocross, animateur, hein, du Rhône-Alpes Savoyard, est également un proche de Guy Détier. Hein. C'est lui qui lui faisait pas mal de boulot. Et aujourd'hui, il roule toujours. Il n'y a plus d'âge. Et il est plus vieux que moi, hein, il a 50 ans, je crois. Il a pris la même que moi. Non, peut-être la 2,5. En fait, la 4,5, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est con, hein, c'est les suspensions. Le moteur est parfait d'origine. C'est les suspensions, il faut vraiment bien les régler. À son poids, pour sa discipline, il n'y a vraiment pas le choix. Si vous faites ça, c'est le bonheur. Si vous le faites pas, ça risque d'être la chute, la fatigue ou le dégoût. Allez, merci hein, pour m'avoir suivi pour ces essais au mieux. Mais franchement, quel pied d'essayer des 2023. Donc go les mecs.